Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Nildax. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec notre attaquant préféré, Nildax, à Liverpool. Nildax qui vient d'être élu joueur du mois d'août. Donc, on va affronter Bournemouth. Donc, on a 6 points en 3 matchs. Donc, on va essayer de gagner encore une fois un match très important et on va enchaîner derrière sur Naples et sur Manchester City. C'est le premier match de cette vidéo. Je voulais vous mettre à contribution, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Hein, si vous aimez ce que je fais, le contenu que je propose, n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos et de cette fin de carrière alléchante avec Nildax. Allez, le bon ballon pour Luis Diaz. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. En plus, là, elle va être énorme, cette fin de carrière avec Liverpool. Ça va être impressionnant. Niveau contenu, niveau jeu, ça va être magnifique. La bonne tête de Christensen pour Nildax. Nildax, l'accélération. La grosse accélération de Nildax. Il est passé, Nildax. Il est passé. C'est pour Luis Diaz. Ça frappe bien sa parade de Mulder. Quelle occasion pour Luis Diaz. Allez, corner. La tête de Kiedi pour dégager. Taylor, Nildax. C'est bien fait. Frappe de Nildax et ça passe à côté. Oh là là. C'était bien joué de la part des Reds. On récupère beaucoup de ballons dans ce début de match. Oh, le bon ballon sur le côté. Oh, Nildax. Nildax le centre. Tendu. Nildax. Carte de ballon. La transversale, Christensen, Gallagher, pour Nildax. Oh là, il me la met un peu compliqué. C'est un peu compliqué ce ballon là, s'il me met là. Merino. Oh la reprise, ah, je l'ai pris du genou. Dommage, il m'a mis un ballon un peu compliqué, Merino, parce que j'étais en TMC et là je me suis empalé face au défenseur. Et le dégagement du gardien. Tête de Christensen qui prend toute la tête depuis le début. Là franchement, on pousse énormément dans ce match. La frappe de Nildax, c'est la parade. Magnifique arrêt de Mulder. Sans problème pour le gardien. On les met. Là, franchement, on presse énormément dans ce début de match. On les met en difficulté. Et là, ils ressortent bien. Ils perdent encore le ballon. Nildax, oh la mauvaise passe. Ah là 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 là. Va falloir régler un peu le pied. Voilà, on récupère tout le ballon, c'est impressionnant. Nildax, Luis Diaz. Dégagé. Tête de Gallagher. La frappe de Nildax contrée, c'était un peu présomptueux de ma part de tenter ça. Attention à contre-attaque. La tête de Virgil van Dijk. Healing. Kilkenny. Récupéré. Nildax. Bon ballon pour Luis Diaz sur le côté. C'est un peu long peut-être, ça sera une sortie de but. Enfin une sortie de but, une sortie en touche. On a du mal à régler le pied là, même si on fait un bon début de match. Dans la tension, dans l'intensité, on est présent. On met en difficulté cette équipe de Bournemouth, mais on a du mal à concrétiser une occasion. Et dans le dernier geste, la dernière passe, le dernier tir, ça manque d'efficacité. Et attention, parce que les joueurs de Bournemouth n'ont pas en manqué d'efficacité. Et quel arrêt d'Arnold. Christensen pour Nildax. Nildax pour Rodrigo. Rodrigo pour Nildax. La fin de Nildax, la frappe enroulée contrée. L'enchaînement était rapide, mais manqué. Mboula pour Kilkenny. Billing. Billing, c'est bien fait. Pour Low. Low pour Dembélé. Dembélé, la frappe. Quel but. Quelle frappe. Quelle frappe. Et quel but contre le cours du jeu. Siriki Dembélé. Premier but du championnat pour lui. Ça fait 1-0. Contre le cours du jeu totalement. Première occasion pour Bournemouth, ça fait but. Le football ne fait pas de cadeau aux équipes qui manquent d'efficacité. Low pour Mboula. Allez, faut récupérer Luis Diaz là si tu peux. Oh là, attention, le bon ballon encore une fois. Van Dijk qui va couvrir. Et c'est Arnold qui va récupérer et dégager. Ballon pour Nildax.
Merino, Christensen, Van Dijk, c'est la mi-temps. Ah là là, première mi-temps très très compliquée. Hein. Enfin, très compliqué non, mais avec énormément de ratés. Hein. Un manque d'efficacité impressionnant de la part de Liverpool. Et un manque, enfin, une efficacité impressionnante aussi pour nos adversaires. Qui ont vraiment tout donné et marqué ce premier but. Luis Diaz, bon ballon pour Neil Dax. Neil Dax, le ballon piqué. Et ça fait but. Égalisation. Efficacité retrouvée pour les Reds de Liverpool et de Jurgen Klopp. Magnifique ballon. Le défenseur qui ne peut récupérer ce ballon, Neil Dax, qui va ensuite nous gratifier d'une caresse sur ce ballon. Un bon ballon piqué, ça fait égalité. Un partout à 48e minute, dans ce direct dans l'entame de cette seconde période. Alvarez pour Dembélé, le buteur. Dembélé pour Billing. Christensen qui récupère ce ballon. Bien joué de sa part. Neil Dax. Neil Dax, le bon ballon pour Rodrigo. Rodrigo qui veut trouver Luis Diaz. Mais ce ballon est perdu. Hammer. Hammer pour Mboula. Et ça sera hors-jeu. Position d'hors-jeu pour Mboula. Neil Dax. Neil Dax toujours. Il est poussé. Il y a peut-être faute, monsieur l'arbitre. Non, parce que j'étais bien retenu. Je pouvais même pas accélérer. D'ailleurs, regardez mon endurance. Hein, il me l'a vraiment enlevé. À tenir face à la charge. Alvarez. Alvarez. Alvarez pour Dembélé. Dembélé, attention dans l'axe, il n'y a personne. Billing. Billing pour Djadjé Mboula. Ça va peut-être faire but. Il n'y a pas eu un jeu dans l'eau, non, même pas. Impressionnant. C'est bien joué. Neil Dax, le bon ballon magnifique pour Luis Diaz dans la profondeur. Luis Diaz la frappe et le but. Oh, splendide but. Quelle contre-attaque et quel but de Luis Diaz. Oh, le ballon que je lui mets pied droit là. Et la finition de Luis Diaz. Oh, il a pas cherché à comprendre, même pas sans contrôle. Bam. Pleine louche, on n'en parle plus. Magnifique. Magnifique but de Luis Diaz. Et ça fait 2-1. Alvarez pour Billing. Hammer pour Mboula. Jordi Mboula, attention. Il y en a Bika Victor qui a remplacé, il me semble, Miguel Merino. Non, ou un autre joueur, j'ai pas vu qui c'était au milieu de terrain qu'on avait. Robertson. Bon long ballon pour Neil Dax, un peu long. Et c'est Hill qui va récupérer ce ballon. Kelly. Prochain match, ouais, 15 septembre, face à Naples. Au Napoli, premier match des champions. L'eau, la frappe contrée, l'arrêt magnifique d'Arnold, pardon. Oh, le bon ballon de Keita au Neil Dax. Neil Dax, c'est pas ce ballon qui est passé. Oh, le ballon un peu trop poussé. Fabinho au Neil Dax. Neil Dax, le centre. Un peu compliqué ce centre pour Luis Diaz. Mauvais choix de la part de Neil Dax. Oh, le ballon, attention, perdu dans l'axe. Oh là, bien défendu. Mais rentré dedans comme pas possible. Je suis un peu moins bien dans cette fin de deuxième mi-temps. Dans cette fin de match. Mboula, le centre magnifique Mboula, la frappe de Dembélé, but. Égalisation. Oh là 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 là. Oh, quel joueur, Siriki Dembélé. Je connaissais pas du tout. Alors, dans le jeu, il est impressionnant, là. Allez. Neil Dax. Faut marquer, de toute façon, on ne doit pas perdre des points face à Bournemouth. La fin de Neil Dax perdu. Aïe, aïe, aïe. Oh, la contre-attaque. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette fin de match? Attention, Dembélé, le double buteur. Dembélé, la frappe. Oh, le poteau. Oh là là, mais il nous fait mal, ce joueur. Mais qu'est-ce qui nous fait mal? Allez, Neil Dax. Luis Diaz. Keita. Pour Neil Dax en profondeur, c'est repris. Il reste que 5 minutes, les gars. Et là, ça pourrait être vraiment une grosse, grosse performance de la part de nos adversaires. Ils nous ont malmenés. Et la but,
C'est incroyable. La remontada de Bonasmus. Oh, c'est incroyable. Ah, jamais j'aurais pensé qu'on allait se faire avoir sur ce match. Ouais, attention, Nildax. Nildax, la frappe et le but. Allez, c'est pas fini. 90e, à mon avis, ça va être la fin du match. Incroyable d'égaliser, là. Mais alors, ce match, il va être fini. J'espère qu'ils vont siffler avant qu'ils remettent un but, parce que là, incroyable ce match, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, il laisse une dernière action pour Bonasmus, j'ai un peu peur. On va vite sortir ce ballon, là. On peut reprendre un but, hein. Je reviens. Pas de faute, Nildax, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, on a... Oh non, mais toujours pas. Ouh là là, fin du match. Ouh. Eh ben, nom de Dieu, c'était compliqué de faire match nul. J'aurais jamais cru dire ça un jour, c'est compliqué de me faire match nul quand même. Allez, on se retrouve pour le match face à Napoli après cette désillusion hein, quand même de faire match nul face à Bonasmus, une petite équipe comme ça. On se retrouve tout de suite. Et on est parti, second match face au Napoli. Et là, je viens de voir, il y a Mohamed Salah quand même à Naples. Hein. N'Golo Kanté. Comment est-ce possible que Mohamed Salah ait quitté Liverpool pour aller à Naples? Sérieusement, les gars. Aïe, 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 je suis déçu. Même si on a Rodrigo, Luis Diaz, on a une attaque de feu, les gars. Et là, par contre, ils ont un milieu de terrain, N'Golo Kanté. Hein, avec Botman aussi, qui a un gros, gros potentiel dans le jeu. Donc, il doit être une bonne note générale, je pense. En défense centrale. On est parti, premier match avec des champions. Ah, et Gravenberg aussi. Ah, c'est une bonne équipe, hein. Bonne équipe de Napoli, hein. Sur le papier. Akanji aussi. Allez, Nildax. Mais bon, nous, on est Liverpool. On est les Reds. Et on est à Anfield aussi, donc... on n'a pas à avoir peur d'une petite équipe comme Naples. Et attention. Mohamed Salah. Oh, c'est contré. Bien joué, Van Dijk. Corner pour Napoli. C'est le seul qui me fait peur, c'est Salah. Mais bon, il est sur son côté gauche, donc c'est moins flippant que côté droit. Kanté. Repris par Van Dijk. Dégagé. Napoli qui sont très très hauts en ce début de match. Hindenburg. Ronil Dax. Itax pour Merino, c'est perdu. Faut presser le gardien si on peut. Qui dégage. Allez, faut la prendre de la tête. Merino, bien joué. Nildax. Oh, attention, Nildax qui est passé. Nildax le pas du pipi droit, c'est but. Ouverture du score pour Liverpool. Magnifique. But de Nildax. Nildax qui ouvre le score. 1-0 pour Liverpool face au Napoli. On commence bien. Très très bien joué de la part de Gallagher. Gravenberg. Il faut le prendre le ballon, les gars. Oh, attention, la parade d'Alisson Becker. Et là, c'est Alisson Becker dans la cage, les gars. Ça fait plaisir. Là, vous allez voir, on va prendre un but. Becker dans la cage, on prend pas de but. Avec Christensen, qui est énorme dans le jeu, hein, franchement. Oh là, j'ai passé N'Golo Kanté, mais il m'a bien récupéré le ballon. J'ai même retouché ce ballon, d'ailleurs. Akanji pour Doan. Doan pour Batman. Attention, oula, il aurait pu la mettre en profondeur. Heureusement qu'il l'a pas donné, le joueur du Napoli. Edwards. Dodo pour Gravenberg. Voilà, et franchement, ils arrivent bien à conserver le ballon aux abords de la surface, mais après, ils n'ont pas d'occasion franche. Donc pour l'instant, c'est bien. Ça me va si c'est comme ça. Voilà, perte de balle, de toute façon. Akanji pour Batman. Batman pour Gravenberg. Doan pour Mohamed Salah sur le côté gauche. Le numéro 10 du Napoli. Mohamed Salah pour Thomas. La tête de Robertson, le sauvetage magnifique. Van Dijk pour Nildax. Allez, contre-attaque.
pour Liverpool. Le bon ballon, excellent ballon pour Rodrigo. Rodrigo qui va conserver ce ballon. Rodrigo toujours. Rodrigo le centre et c'est dans les bras du gardien. Gardien qui dégage son camp. Tête de Van der Berg. Lildax, le sombrero qui met à terre Gravenberg, c'est magnifique. La frappe de Lildax et le but. Le but. Le but. Le but de Lildax. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé, les amis. Oh là là, mais c'est pas possible ce but de Lildax. Mais c'est un truc de fou ce joueur. Il est incroyable, Lildax. Regardez-moi cette frappe. Mais le pire, c'est ce. C'est cette action. Cette action de Lildax magnifique. Et ça fait 2-0. Oh là là, magnifique. Est-ce que les gars, ils seraient pas dans le top 1, franchement. Même le, à la rigueur, le top 3 des plus beaux buts de Lildax depuis le début. C'est incroyable ce but-là. Le sombrero qui met à terre Gravenberg, en plus un joueur avec un une grosse note générale, et qui vient derrière mettre une grosse frappe, vient mystifier le gardien, et ça fait 2-0. Quelle efficacité. Wisdias. Pour Lildax. Lildax qui perd pas le ballon. Lildax pour Vandenberg, c'est perdu. Doan. Doan le bon ballon. Timmermans. Timmermans. On va se faire plaisir avec Liverpool, hein, je pense. Hein. Dans le jeu, c'est vraiment super plaisant. Ça me rappelle un peu City d'ailleurs. Et c'est la mi-temps. Oh, je reviens pas du but de Lildax, les gars, hein, franchement. Il est impressionnant ce but. Hein. Impressionnant. Allez, Lildax. Wisdias. Wisdias. Robotman. Qui récupère. N'Golo Kanté. On va demander le changement, les gars, je pense. Hein, si on, le score reste là, parce que là, on a tout beaucoup donné avec le match juste avant. On allait arracher l'égalisation. Kanté. Ils sont au centre, hein, au cas où. Et le centre, les gars, Alisson Becker. Qui conserve pour l'instant le clean sheet, hein, Alisson Becker. La tête de Lildax. Repris par Kanté. Là, on est bien défensivement. Lildax. Lildax qui temporise. Centre tendu de Lildax. La frappe de Merino et le but. Oh là, 3-0. 3-0 dans ce match. On voudrait qu'il ne s'arrête jamais ce match, les gars. Mais on va devoir demander le changement. On va devoir demander le changement, les gars, parce que 55 minutes, 3-0, on a un match ultra important contre Manchester City juste après. Et là, le match est plié, de toute façon, on peut le dire, le match est plié. 2 buts, une passe décisive pour Lildax. Et quel centre pied droit. Et quel but de Mikel Merino. Reprise de volée pied gauche qui vient crucifier la cage du Napoli. Et on sort, on va sortir et on est remplacé par Alexander Isak. Donc... poste pour poste et un remplacement plus que bien. Et on finit ce match à 3-1. 3-1. Donc on aura pris un but malheureusement, mais bon, un match abouti de fond en comble. Donc on se retrouve pour le match face à City. Et on se retrouve pour le match ultra important face à Manchester City. Ah, j'ai oublié de mettre la célébration par contre. On avait parlé avec un abonné en commentaire. La célébration du respect, au cas où on marche, et au pire je toucherai à rien, on verra si ça célèbre ou pas. J'ai oublié de la changer, je viens d'y penser. Allez, on est en jaune, c'est assez rare qu'on soit en jaune d'ailleurs. Ça change. Lildax. Lildax la frappe, contrée. Bon, j'ai failli direct les mettre d'accord. Foden, attention pour Alvarez. Oh, la grosse action déjà. Attention, Alvarez repris par Keita. Et Alisson qui a gardé sa place, hein, du coup, hein, depuis le match de Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Enfin, des bons choix de la part de Jurgen Klopp. Ah, Foden qui reprend le ballon. Sur Mikel Merino. Alvarez. Alvarez pour Sterling. Sterling, la frappe de Sterling, le but. Magnifique. Le gardien ne peut rien faire.
Magnifique but de Raheem Sterling. Ouverture du score pour Manchester City. Upamecano. Pressé par Nildax. Il faut que je revienne, seulement il va centrer. Je me suis fait fumer. Après, c'est pas mon poste. Hein. Regardez, il revient pas. Mirino, là, c'est pas possible. C'est pas à moi de faire ça, les gars. Et même Luis Diaz, là. C'est toi, c'est le joueur de côté. C'est toi qui dois revenir. Allez, Alisson Becker qui dégage sur ce 6 mètres. Goretzka qui récupère. Mirino. Gallagher. Rodrigo, c'est bien fait. Profondeur pour Nildax, repris par Alexander Arnold. Alexander Arnold. Oh, faut y aller dessus, les gars, là. Un minimum de défense, s'il vous plaît. Offensivement, là. Bien récupéré, Robertson. Après, Robertson, je dis ça, mais tout à l'heure, je dis offensivement, mais Robertson, là, tout à l'heure, il était pas là sur pour Mécano. Je sais pas où il était passé. Lâche ce ballon, tu vas le perdre, et voilà. Et voilà. Et voilà, ça fait but. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, cette défense. Qu'est-ce que nous fait la défense sur ce match? Robertson, il est pas dans son match, c'est incroyable. Incroyable de rater autant de son début de match. Luis Diaz, O'Neill Dax. J'ai l'impression d'être le seul à presser offensivement. Non mais regardez-moi ça, Robertson. C'est pas possible. Il nous tue le match. Robertson nous tue le match pour l'instant. Nildax. Nildax, accélération de Nildax. Repris par Casemiro magnifiquement. Oh là, mais il se passe quoi défensivement? C'est impressionnant. Hein, regardez-moi ça, Robertson. Van Dijk, il était où, là? Heureusement qu'il y a hors-jeu à chaque fois. Hein. C'est quoi, ce délire? Il se passe quoi, là? Nildax, le bon ballon pour Gallagher et la parade d'Ederson. Putain, c'est pas possible. Allez, corner. C'est bien tapé. J'ai. Ah non, c'est Ruben Dias en face. La Keïta touche. On se bat dans tous les duels. Hein. Il y a faute là sur Nildax. Le centre. La tête de Upamecano. Putain, j'ai oublié qu'ils avaient des grands joueurs en défenseux. Oh oui. Oh non. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Regardez où elle passe, les gars. Ah, c'est incroyable ce but si on le mettait là. Ederson qui était totalement battu, on était passé devant Upamecano, ce qui n'est pas chose facile. Par contre là, ce qui me fait peur, c'est mon endurance hein, par rapport au match enchaîné. Et sachant que là, il y a 2-0, il va falloir tout donner. Hein, et essayer de ne pas reprendre surtout. Et c'est pas gagné hein, de ne pas reprendre de but. Quand on voit le match de Robertson, c'est un truc de dingue. Comment on peut passer à côté d'un match comme ça? Oh, la parade d'Alisson, énorme. Allez, Alisson Becker. Oh là, Alisson Becker, c'est ce trou. Oh là là, si Alisson Becker s'y met, les gars. Il avait fait un splendide arrêt. Dégagez-moi ça. Mais dégagez-moi ça. Non mais les gars, il y a un problème, ma défense, là. J'ai une défense cryptée, là. Oh. Ah, je m'énerve pas beaucoup avec Nikad Nildax, mais là, on va peut-être pas abuser, hein, les gars. On va peut-être se réveiller un peu. C'est pas possible là de passer à côté de son match comme ça. Pardon, j'ai appuyé sur pause. Allez, on est parti, deuxième mi-temps. Qui c'est qui l'a fait rentrer là? J'espère qu'il a sorti. Il a gardé Robertson sur le terrain, donc je vois pas qui c'est qui l'a sorti. Incroyable, hein, franchement, ce début de match, là, je suis très déçu, là. Parce que là, c'est comment se mettre dans la mouise en deux secondes. Rodrigo, O'Neill Dax, c'est bien fait. Nildax, ballon piqué, c'est manqué. C'est contré par Ruben Dias. En plus, nous, on a Ruben Dias. En plus, c'est ça, le pire, les gars, c'est que j'ai Ruben Dias au marquage.
avec Upamecano sur le côté quand je veux partir en profondeur. Et notre défense ne nous aide pas du tout. Voilà. Allez, 3-0. C'est incroyable. Là, ce match, il est vraiment pas pour nous, les gars. Moi, je peux déjà pas faire grand-chose offensivement parce que j'ai des joueurs de très très haute qualité sur moi. Et mes collègues ne font strictement rien, en fait. Défensivement, c'est le néant, en fait. Il n'y a personne. Faut le forcer à dégager. Voilà. Et il n'y aura personne, voilà. Et Goretzka, tu voulais faire quoi face à Goretzka ? Ballon pour Rodrigo. Ah, c'est un peu long. Ah non, mais c'est incroyable. On n'a vraiment pas de chance en plus. Hein. Oh, la récupération sur... Ah non, Arnold, putain. Ah, mais regardez-moi ça. Il se balade, Ederson, là, derrière. Les joueurs de City se baladent, nos anciens coéquipiers. Et attention. Frankie De Jong. De Jong qui va trouver sur Goretzka, ça va faire but. Oh, la parade d'Alisson. Énorme. Ah, mais je peux rien faire avec ça, moi. Un ballon en l'air comme ça. Comment voulez-vous que je batte Ruben Dias de la tête ? Oh là là, c'est incroyable. Défensivement, c'est incroyable ce qui se passe. Hein. Là, vous êtes témoins, les gars, hein, défensivement. Là, il va pas sur Foden. Ah, mais là, je suis cuit. Foden, il est en pleine forme. Je joue pas Mécano qui arrive. Pleine balle. Je suis passé. Le centre, contré. Putain. Il est dur à passer, les gars. On n'a pas l'impression, mais il est très très dur à passer. Ah, mais là, je peux rien faire face à Ruben Dias, moi. Ça passe pas, ça passe pas la défense de City là. Ah, le 3-0 il fait mal hein, quand même. Et c'est pas fini. Là on est en train de laisser des points précieux hein, depuis tout à l'heure entre Gunnarsmus et City. Il y a 6 mètres, je sais pas ce qu'il allait faire lui. Allez dégage-moi ça. Là Alisson Becker le pauvre il a pris 3 buts, franchement il peut rien faire. Hein. Il aurait pris le but sur son raté, là, la sortie ratée, là. Je dis pas, mais il a pris des lucarnes, quasi. Et moi, je suis cuit, là. Je peux rien faire. Et puis, à chaque fois que je tire, c'est dans un joueur. De toute façon, c'est simple. Oh là là, et De Jong, il est incroyable aussi dans le jeu. Oh, la parade. Ah, ça va faire but. Oh, il frappe pas. Alisson, énorme. Alisson Becker. Là, franchement, il fait un match de folie malgré son raté de tout à l'heure. Ah les gars, ça va être la fin. Franchement, là, j'aurais essayé, hein, je vous avoue, mais là il y a un gros niveau d'écart là, entre ce qu'on a vu. Puis là, City, ils sont en full gros match. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Non, franchement, là, c'est impressionnant. Là, c'est les frappes, c'est plein de louch, c'est... Ah, c'est City en ultime, quoi. 4-0. Oh là là. Là, franchement, je peux pas dire ouais. J'aurais pu faire quelque chose et tout. Franchement. Allez. Et là, Upamecano va me bouger comme jamais. Voilà. Et puis, j'ai l'impression d'offensivement, il y a personne quoi aussi. Et défensivement, regardez. Il manque un défenseur. Là. Je suis sûr que le coach il nous a mis en ultra offensif en fait. Et là, ça va faire un autre but en hein, Calvert-Lewin encore. Allez, fin du match. Et voilà, fin de cette vidéo. Ah, on s'est fait détruire, les gars. Il n'y a rien à dire. Hein. Beau jeu de la part de City. Après, franchement, Jürgen Klopp, faut que je me pose des questions. 6,8 de note, j'ai la meilleure note de l'équipe. J'ai la meilleure note de l'équipe. Hein. United qui s'est incliné de 1. Et je vais juste voir après, effectivement... Comment ça se passe pendant ce temps championnat, je crois que ça se passe pas bien. Hein. Ah, ça se passe pas bien du tout. Hein. 11ème, 7 points. Bon, ça va, City à 11 points. On a 4 points de retard, ça va en vrai.
Mais bon, faut pas prendre plus de retard que ça. Et en Ligue des Champions, on est premier du groupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Activez la petite cloche de notification si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Vous êtes sûr de ne pas les rater. Donc passez une bonne journée. On se retrouve pour la prochaine. A plus, ciao.